Bonsoir à tous, Sahaïdkoum, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes. Nous parlerons ce soir de colonisation, d'agression barbare, de violence, de racisme et d'épuration ethnique, des pratiques que nous vivons encore au XXIe siècle et que le peuple palestinien vit depuis près de 70 ans avec l'aval et la complicité de la communauté internationale. La situation s'est embrasée ces derniers jours, comme vous avez pu le suivre. Depuis lundi dernier, l'agression sioniste aveugle a tué près de 200 civils palestiniens. Les appels au cessez-le-feu résonnent dans le vide. Cependant, ce conflit prend une toute nouvelle tournure cette fois-ci. Plusieurs fronts palestiniens se sont ouverts dans la bande de Gaza et dans les villes mixtes sur les terres de 48 où vivent Arabes israéliens et Juifs. Quelle lecture faire de ces nouveaux événements? Qu'est-ce qu'une Palestine ou est-ce qu'une Palestine reconstituée s'est formée pour faire face à l'apartheid imposé par l'entité sioniste? La jeunesse palestinienne reprend-elle le flambeau de la résistance pour affronter la politique fasciste de l'occupant? La montée du radicalisme israélien avec l'arrivée des partis extrémistes suprématistes juifs complique davantage la situation, échappe-t-elle à tout contrôle? Des questions que nous poserons ce soir à nos spécialistes. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Azdine Chaben. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du service international du quotidien L'Expression. L'Expression, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est réciproque, merci. Nous avons également avec nous M. Mustapha Haddem. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Je vous remercie. Et nous avons également avec nous, par Skype, M. Dominique Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et historien. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec grand plaisir. Également, Monsieur Majid Naama, bonsoir. Vous êtes directeur d'Afrique-Asie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Monsieur Majid Naama. Et nous avons également Monsieur Feres Shahin, correspondant du quotidien El Watan et de la radio internationale à Gaza. Bonsoir. Monsieur Feres Shahin, vous nous recevez. Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va débuter cette émission avec vous, hein, Monsieur Feres Shahin, puisque vous êtes sur place. Décrivez-nous un peu la situation, s'il vous plaît. Eh bien, depuis 2-3 minutes, alors que le téléphone était ouvert avec vous, autour de moi, il y a eu un nouveau bombardement israélien. Qui n'était pas loin, il était à quelques centaines de mètres seulement. Et c'est comme ça depuis le début de cette agression, depuis lundi passé. Nous sommes au 8e jour de cette agression et les bombardements qui sont faits par des avions de chasse de type F-16 et parfois on dit qu'il y a des avions F-35. C'est comme s'il faisait une guerre à une superpuissance. Et par exemple, aujourd'hui à l'aube, ils ont frappé l'ouest de la ville de Gaza avec une telle violence. J'ai vécu 3 guerres ici à Gaza, mais je n'ai jamais assisté à une telle violence et une telle barbarie. Vous savez, le bilan des morts qui sont en majorité des civils, et ils augmentent de minute en minute. Maintenant, nous avons 220 martyrs à peu près, environ, en majorité des civils. Hier à l'aube, il y a eu dans le centre de la ville de Gaza, le quartier Rimal, qui est très proche de l'hôpital Shifa, qui est célèbre, il y a eu un véritable massacre. Cinq bâtiments contenant des dizaines de maisons ont été rasés comme ça, sans alerte, sans rien du tout, sans avertissement aux citoyens qui y habitent. Il y a des familles entières qui ont été décimées. Il y a eu une cinquantaine de morts dans ce bombardement, tous des civils. Et parmi eux, il y avait plus de 22 enfants et beaucoup de femmes. Et elles étaient plus de 12 femmes qui ont péri dans ce bombardement.
Donc, ce qu'on voit ici sur le terrain, c'est que Israël est en train de faire une guerre contre les civils palestiniens de la bande de Gaza. Les témoins disent qu'il n'y avait dans cet endroit qui a été bombardé et qui ont été massacrés. D'ailleurs, il y avait deux médecins qui sont morts dans ce quartier. Avec toute leur famille, personne n'est sorti indemne. Il n'y a aucune présence de militaires ou des factions palestiniennes ou quelque chose qui justifie un tel massacre. Ce qu'il faut aussi signaler maintenant dans la bande de Gaza, c'est que l'aviation israélienne et les bombardements, ils sont dirigés contre l'infrastructure de base. Comme ils ont démoli des centaines de maisons déjà, ils ont commencé à détruire les réseaux de routes pour rendre encore plus difficile l'accès soit à l'hôpital des malades ou bien des blessés, et même l'accès aux zones qui sont bombardées. Au secours médicaux ou bien à la protection civile. La situation est catastrophique. Nous avons des dizaines de milliers de citoyens qui se sont réfugiés dans des écoles. Ils ont quitté leur maison. Il y en a qui ont quitté leur maison parce qu'elles ont été détruites, et d'autres qui ont quitté leur maison à cause de la peur de ces bombardements. Merci, monsieur Shahin. Il y a une véritable crise humanitaire est en train de s'installer dans la bande de Gaza. Merci, monsieur Fels Shahin, pour tous ces détails. Ce que vous décrivez là, ce sont de véritables scènes de crimes de guerre. Là, on attaque carrément les civils, les femmes, les enfants, 220 civils tués, les infrastructures de base visées. L'entité sioniste justifie cela par des attaques ciblées, disant qu'il y a le mouvement Hamas qui se cache derrière ces infrastructures, des bâtiments de médias internationaux qui ont été complètement descendus, bombardés. Aujourd'hui, on ne s'attendait pas à ce que ce conflit s'embrase de cette manière. En réalité, j'ai écouté avant de venir assister à cette émission Madame Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour pénale internationale, parler avec force argument sur les cas de crimes de guerre commis par l'entité sioniste lors de ces bombardements au niveau de Gaza et lors de la protection qu'elle a accordée aux colons qui ont attaqué l'esplanade des mosquées de l'Aqsa. Je voudrais dire une chose, c'est que on a l'impression que cela, je l'ai perçu y compris tout de suite là en écoutant monsieur Shahin, que les gens sont étonnés du comportement de l'entité sioniste. Quand on sait que l'acte fondateur de l'entité sioniste qui tient lieu de constitution, parce qu'il faut rappeler que cette entité que quelques médias occidentaux présentent comme la première démocratie du Moyen-Orient n'a pas de constitution à ce jour, depuis 1947. Elle est cette loi fondamentale qui est la déclaration d'indépendance de l'entité sioniste, indépendance entre deux guillemets, est une déclaration qui porte les germes de ce que nous voyons maintenant. Qui officialise l'apartheid. Elle est xénophobe, elle est raciste, elle a institué un régime d'apartheid sous le regard bienveillant de ce qu'on appelle communément la communauté internationale. Parce qu'elle dit que seul le peuple juif a le droit à l'autodétermination. Absolument. Les autres peuvent vivre en communauté, autrement dit, en ghetto ou en bantoustan. Ce qu'il faut rappeler maintenant, c'est que cette guerre, cette dernière guerre, a permis que des masques tombent. D'abord, que la propagande sioniste
sur un État qui est agressé et qui se défend, et dont l'armée est une armée de défense, vient d'être battue en brèche. Que deuxièmement, il ne s'agit pas uniquement de la réaction d'une faction du peuple palestinien, c'est-à-dire le Hamas et son bras armé, Qatar ibn Qassam, mais qu'il s'agit d'un embrasement total. Oui. Et qu'en réalité, ce qui a déclenché cela, c'est un acte raciste, mmh. c'est un acte d'agression mmh. Sur un quartier d'El Quds, sur un quartier de Jérusalem, le quartier de Sheikh Jarrah, où des colons sous la protection de Tsahal, extrémistes, hein, voilà. des colons extrémistes sous la protection de l'armée officielle, commandée par un grand incendiaire qui est Netanyahou, digne héritier de Sharon, qui a provoqué de la même manière la deuxième intifada en agressant. On en reviendra plus en détail. Je pense que c'est la chute des masques, pas seulement pour l'entité sioniste, mais y compris pour ceux qui veulent normaliser et y compris pour ceux qui veulent transformer ce conflit en simple conflit militaire et politique entre les Palestiniens et l'entité juive. Oui. Alors, Monsieur Chaben, on l'a entendu, hein, Monsieur Felschen qui le disait à l'instant, Israël nous bombarde comme s'ils avaient affaire à une superpuissance. Et pourtant, aujourd'hui, quand on entend dans les médias internationaux, on commence toujours par les roquettes du Hamas oui, et non pas par l'inverse. On justifie presque l'attaque d'Israël comme quoi elle a le droit à sa légitime défense, hein, qu'elle défend voilà. Israël ses civils. Ne fait que se défendre. Israël ne fait que se défendre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour comprendre le discours qui est distribué par les médias internationaux, il faut d'abord remonter à la genèse. Israël, quand l'ONU a fait le partage de la Palestine, avait obtenu 52% du territoire, contre 48% pour les Palestiniens. Et Israël avait, enfin Israël, à l'époque c'était les groupes sionistes, avait rejeté ce partage parce qu'il voulait le tout, il voulait le maximum. Et le signataire du document officialisant ce partage, le comte Bernadotte, avait été aussitôt assassiné par les sionistes, ce qui montre que le terrorisme est à la base de la naissance d'Israël et du mouvement sioniste d'une manière générale. Ce qui se passe aujourd'hui correspond à la logique même de cette naissance. Israël continue à être, c'est un État terroriste, quelqu'un l'a dit pas plus tard qu'il y a 48 heures, l'ayatollah Khamenei, et effectivement, toute la stratégie, toute la politique, toute la doctrine d'Israël depuis Sharon, depuis les massacres de Sabra et Shatila, depuis Deir Yassin, si on peut remonter aussi loin, ça a toujours été d'exploiter des bains de sang pour affirmer sa suprématie, pour étendre sa puissance. C'est là qu'il prospère, hein, dans le chaos et dans la guerre. Hein, c'est là qu'ils arrivent à prospérer. Donc ce qui se passe depuis une semaine est dans cette logique même. Et qui en est l'artisan? C'est Netanyahou. Et Netanyahou, c'est Sharon. C'est l'identité même du sionisme dans sa volonté de puissance, dans son expansionnisme, dans sa détermination à éradiquer les Palestiniens. Netanyahou, il y a à peu près 6 mois, 8 mois, a bénéficié du soutien enthousiaste de l'ancien président américain et du quatuor qui l'entourait. Nous payons aujourd'hui la politique trumpiste, peut-être. Les cavaliers de l'Apocalypse, son gendre, Jared Kushner, David Friedman, qui a ensuite atterri comme ambassadeur des États-Unis en Israël, et Jason Greenblatt, qui était son factotum à la maison Trump pendant 20 ans et qui est devenu le spécialiste des questions internationales. Et tout ça, c'était pour dépecer ce qui reste des territoires palestiniens.
Alors, Monsieur Vidal, vous êtes avec nous. Je rappelle, vous êtes journaliste et historien. Est-ce qu'on sent qu'il y a quand même, pour cette nouvelle guerre hein, qui s'annonce en Palestine, qu'il y a quand même un degré de violence plus important par rapport aux guerres précédentes, aux conflits précédents? Il y a quand même de nouvelles formes également, des nouveautés qui apparaissent. Aujourd'hui, on va en parler en détail. Je pense que c'est la guerre la plus violente qu'ait menée Israël depuis sa naissance. Pour l'historien que je suis, le spectacle que donnent les bombardements qui s'acharnent sur Gaza, ça fait penser, je m'excuse de le dire, à Varsovie, à Guernica, à Dresde. Ce sont des bombardements absolument insupportables. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais insister. J'ai trois remarques à faire. La première, c'est le mensonge des grands médias occidentaux qui se sont réveillés quand le premier missile du Hamas est tombé. Sauf que pendant trois semaines avant, il y avait eu provocation sur provocation. D'abord les ratonnades, comme on disait pendant la guerre d'Algérie, chez nous, en France. Je rappelle le 17 octobre 61, par exemple. Les ratonnades organisées par les kahanistes, les forces d'extrême droite, mais aussi par des ultra-orthodoxes fanatisés. Ensuite, il y a eu la tentative de voler à nouveau 13 maisons palestiniennes à Sharjah. Les choses ont escaladé encore. On a eu les violences policières incroyables à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Et c'est là-dessus que le Hamas a saisi l'occasion qui lui était donnée de se présenter comme le leader du peuple palestinien. C'est la première remarque. Donc on ne peut pas, si vous voulez, c'est comme si vous alliez voir un film et vous pensez qu'avec les 10 dernières minutes, vous avez compris ce qui s'était passé avant. Ben non. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, il faut au moins remonter, au moins au début de cette crise-là. Sinon, on peut remonter évidemment à 48, à 67, etc. Deuxième remarque, il y a des surprises dans cette guerre. Ce n'est pas seulement l'extrême violence de la guerre, qui n'est pas une surprise, parce qu'elle est courante chez les Israéliens, mais c'est la résistance de la jeunesse palestinienne, qu'on croyait anesthésiée, vaincue, humiliée, et qui, dès qu'elle a vu la manière dont l'extrême droite juive et la police se comportaient, a résisté, et a résisté de manière très forte. On le voit à Gaza, on le voit en Cisjordanie, mais aussi en Israël même. Et ça, c'est un fait sans précédent depuis 1948, je tiens à le dire. Il y a des prémices de guerre civile dans les villes mixtes, comme on dit là-bas. Haïfa, Lod, Ramleh, un peu moins Jaffa. C'est ce qui effraie aujourd'hui l'entité sioniste, hein, c'est que ça ait bougé du côté des Arabes israéliens dans les terres de 48 auparavant, qui n'ont jamais vraiment montré de violence envers les autres Juifs qui cohabitaient ou qui coexistaient. C'est ça, ils se sont toujours battus. Hein. Je sais que dans le Maghreb, on oublie souvent que les Palestiniens d'Israël se sont toujours battus pour leurs droits. Mais là, il s'est passé quelque chose d'inédit depuis 1948, depuis l'existence d'Israël, c'est qu'on a des affrontements avec des choses horribles, des lynchages, des synagogues qui brûlent, des mosquées qui brûlent, des gens qui se battent, et ça c'est tout à fait neuf. Ce qui m'amène à une troisième remarque, et la plus importante, je pense que nous sommes en train de revenir à avant 1948. Et ça, du point de vue des dirigeants israéliens, c'est une chose très préoccupante. Parce qu'au fond, qu'est-ce que voulait le mouvement sioniste? Il voulait un État juif avec une majorité juive. Mais à force d'occuper, de coloniser et d'annexer, on est en train d'aller vers un État binational de fait, d'apartheid évidemment, mais binational, et qui n'est pas loin d'être un État à majorité arabe, puisqu'il y a 7 millions de juifs et 7 millions de palestiniens, grosso modo, sur la grande Palestine ou le grand Israël, comme disent Netanyahou et ses amis. Ce qui veut dire qu'on a fait une guerre en 48, on a fait une guerre en 56, on a fait une guerre en 67, on a fait une guerre en 73, on a fait une guerre en 82 au Liban, Sabra et Shatila, ça a été rappelé. On a vaincu violemment deux intifadas, on a fait 4 offensives violentes aussi contre Gaza, tout ça pour ça. Tout ça pour se retrouver dans une situation qui est extrêmement préoccupante, je le dis,
pour les dirigeants israéliens, notamment pour la droite et l'extrême droite. Ce qui, et ce sera ma dernière remarque, met la communauté internationale au pied du mur. Parce qu'on ne peut pas tenir des discours lénifiants depuis 30 ou 40 ans en disant « il faudra un État palestinien à côté de l'État d'Israël » et ne rien faire. On ne peut pas laisser Israël impuni quand il se livre à des crimes aussi graves. Donc Trump était tout à fait du côté de Netanyahou, et réciproquement, c'était la grande internationale populiste, il y en a d'autres hein, dans cette internationale, mais Biden était censé, en tout cas c'est ce qu'il avait dit, faire une nouvelle politique, en général, à l'échelle mondiale, mais aussi au Proche et au Moyen-Orient. Or, s'il continue, et c'est très bien d'ailleurs, de négocier avec l'Iran pour essayer de revenir à un accord sur le nucléaire iranien, il ne peut pas en même temps laisser Netanyahou jeter le feu. Il a été un peu pris de court, hein. Ce n'était pas parmi ses priorités hein, pour Joe Biden. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, mais ce n'est pas tout à fait exact, si vous me permettez, chère consoeur. Parce que la vraie question des États-Unis aujourd'hui, c'est de contenir la montée de la puissance chinoise. Oui. La question de l'Iran se pose aussi dans ces termes, parce que les dirigeants iraniens, qui étaient longtemps plutôt alliés avec les Russes, notamment dans l'affaire syrienne, se rapprochent de plus en plus des dirigeants chinois. Et c'est la raison pour laquelle Biden est pressé de faire un accord avec Téhéran. Oui. Mais on ne peut pas faire un accord de paix avec Téhéran en laissant en même temps Netanyahou jeter le feu, encore une fois, dans toute la région. Donc il y a, on le sent d'ailleurs chez Biden, une expression publique mesurée. On ne touche pas aux intérêts sacro-saints d'Israël. Mais en même temps, on sait très bien que le chef du Mossad qui est venu à Washington il y a quelques jours, Biden lui a dit qu'il fallait arrêter un peu de saboter sa politique. D'une certaine manière d'ailleurs, en fait, Netanyahou avait, disons, trois objectifs. Un, écraser une bonne fois les Palestiniens, et il a saisi l'occasion que lui ont offert les missiles du Hamas. Oui. Deuxièmement, saboter la politique de Trump, notamment sur l'Iran. Et troisièmement, on l'oublie toujours, sauver son pouvoir. Il a perdu 4 élections, il n'arrivait pas à faire un gouvernement. Il revient avec la casquette de chef de guerre. En situation de guerre, il se présente comme le grand sauveur. C'est ça, merci. Hein. Monsieur Majid Naama, alors pour reprendre un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même des nouveautés qui sont apparues dans cette nouvelle guerre lancée par Israël sur la Palestine. On sent quand même qu'il y a une renaissance peut-être de la jeunesse palestinienne, comme le disait à l'instant Monsieur Vidal, qui s'est un peu unifié autour d'un même... combat, ça a commencé d'abord à Al-Quds occupé où la jeunesse s'est d'abord soulevée contre toutes les interdictions imposées par Israël. Est-ce qu'on sent qu'il y a un renouveau de la résistance ? Écoutez, il y a d'abord le retour de la centralité de la cause palestinienne. Ils ont pensé que la cause palestinienne a été bel et bien enterrée. On a vu une série de pays arabes qui ont normalisé avec Israël, sous la pression, certes, de Trump. Maintenant, il se trouve dans une situation peu enviable, parce que, d'abord, ils ont normalisé sans contrepartie, sans exiger qu'il y ait un État palestinien, sans exiger que le plan de paix arabe soutenu par la Ligue arabe lors du sommet de Beyrouth en 2002, qui prévoit la normalisation de tous les pays arabes avec Israël en contrepartie de la création d'un État palestinien viable avec Jérusalem arabe orientale comme capitale. Alors là, il y a eu une arrogance inouïe du gouvernement Netanyahou qui est l'otage ou qui profite aussi d'une série de myriades de mouvements colonialistes raciste, suprémaciste, tout ce que vous voulez, fasciste, qui veulent avoir un état d'apartheid en Palestine, ils ont pensé qu'ils peuvent tout faire devant le silence assourdissant de la mal nommée communauté internationale. C'est ça le problème. Mais Israël, je veux noter ça, il faut le noter, depuis 1967,
elle n'a jamais gagné une guerre. Quand je dis n'a jamais gagné une guerre, c'est-à-dire pour gagner une guerre, il faut réaliser les objectifs de la guerre. Certes, elle a occupé des terrains, des pays, elle a occupé même la capitale du Liban, d'un pays arabe, le Liban, mais de toutes les façons, elle a perdu, elle n'a réalisé aucun objectif stratégique de ces guerres, qui sont des guerres de destruction, de génocide, de guerre, de crimes de guerre, tout cela. Et là, par exemple, moi je ne pense pas que c'est la guerre la plus féroce que Israël a menée, parce que rappelons-nous en 2006, quand Israël qu'il y a eu la guerre de 2006, Israël a détruit toutes les infrastructures du Liban, l'électricité, l'eau, les ponts, etc. Et c'est à donner à des massacres. Et pourtant, la résistance libanaise est sortie plus forte que jamais. Et maintenant, c'est peut-être la troisième ou quatrième guerre contre Gaza. Et Gaza, dans chaque confrontation, sort plus fort qu'avant. On dirait que, si vous voulez, pour être cynique, que Israël, le gouvernement actuel, veut renforcer le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne de Ramallah, qui n'a de nom que, qui n'a d'autorité que le nom. Et finalement, à mon avis, on a vu le résultat catastrophique, une guerre civile, des crimes de guerre, un état d'apartheid. Je pense que la communauté internationale, et moi je n'aime pas ce terme-là, oui, la mal nommée communauté internationale, sera obligée d'intervenir, parce que ne serait-ce que pour préserver ses propres intérêts et non pas pour épargner le sang des innocents palestiniens. Alors, merci, hein, monsieur Majed Naama. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, on parle beaucoup de cette jeunesse palestinienne qui s'est soulevée, on peut en parler même de troisième intifada qui était possible à l'occuper. Est-ce qu'il y a un effet générationnel, un peu 20 ans presque après la deuxième intifada? Est-ce qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui renaît chez la jeunesse palestinienne? Je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de terminologies que nous utilisons. Il n'y a pas d'Arabes israéliens, puisque ce sont des sous-citoyens qui sont considérés comme tels par les textes fondateurs de l'entité sioniste. Dès lors qu'ils ne sont pas citoyens, même s'ils sont représentés au niveau de la Knesset, ils ne sont pas citoyens à part entière, et les textes fondateurs le disent. Les Il appeler, représente quand même 20% de la population. Oui, les appeler israéliens arabes est un non-sens, puisque l'État qui se présente comme l'État d'Israël est reconnu par la pseudo-communauté internationale est un État théocratique qu'on ne peut pas présenter comme un État laïque et démocratique. C'est un État théocratique. On l'appelle l'État hébreu. C'est-à-dire, c'est l'état d'une ethnie et d'une religion, le judaïsme. Je pense qu'il faut ramener les choses à leur proportion et appeler les choses par leur nom. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque. De l'israélisation comme voulue par l'entité sioniste. Ils ne peuvent pas. D'abord, eux-mêmes, dans leur texte fondateur, rejettent cette partie de la population. Et elle n'est pas la seule, y compris les juifs falachas qui subissent le racisme et la xénophobie, y compris un certain nombre d'ashkinazes, notamment les juifs d'origine russe, qui subissent ce séparatisme, cette xénophobie. Il faut dire une chose, que l'esprit palestinien, qu'il s'agisse de populations musulmanes ou chrétiennes qui se sont retrouvées otages après 48, otages des territoires placés indûment sous l'autorité de l'entité juive, ne s'est jamais arrêté. Leur appartenance à la Palestine ne s'est jamais arrêtée. Nous l'avons vu en 67, nous l'avons vu lors de la première, la deuxième et la troisième intifada.
Et nous le voyons à l'occasion, à chaque occasion, y compris des occasions qui peuvent paraître anodines, que l'équipe algérienne fasse d'excellents résultats au niveau international, l'équipe de football, et vous voyez la réaction de ce qu'ils appellent les Arabes israéliens. Je voudrais un dernier mot rajouter une chose. L'entité sioniste ne veut pas la paix, n'a jamais voulu la paix. Et je voudrais rappeler à ceux qui tentent de faire la normalisation sur le dos du peuple palestinien, je voudrais leur rappeler ce que disait Netanyahou en 1948. Rapidement, hein, s'il vous plaît. Si j'étais un prince ou un roi ou un président arabe, jamais je ferais la paix avec Israël. Ouais. Parce que Israël a pris leur terre, a pris leur territoire, a pris leur pays. Ouais. Donc on ne peut pas faire la paix parce qu'Israël, parce que l'entité juive n'a jamais voulu faire la paix. Monsieur Vidal, je vous donne la parole. Vous voulez intervenir, vous voulez rebondir sur ce qui s'est passé à Sheikh Jarrah et à cette résistance de la jeunesse palestinienne. Oui, parce que si vous voulez, je ne suis pas en désaccord avec ce que dit votre collègue, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, dans les villes arabes d'Israël, on s'occupe beaucoup de linguistique et de catégories. Vous savez, les jeunes, moi je les connais bien, ça fait 50 ans que je vais là-bas à nombreuses reprises comme journaliste. Ils se considèrent d'abord comme arabes. Ils sont des arabes. Et ça ne les gêne pas qu'on les appelle palestiniens, qu'on les appelle arabes. L'essentiel, c'est qu'ils résistent. Et ce qui est nouveau, c'est ça que je voudrais insister, c'est la première fois depuis 1948 que tous les secteurs du peuple palestinien se retrouvent au même moment, dans la même bataille, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient en Cisjordanie, qu'ils soient à Jérusalem-Est, qu'ils soient dans les villes d'Israël. Et ça, c'est très important. Mais comment l'expliquer ? C'est la première fois qu'il y a cette espèce de front commun qui n'existait pas avant. Ouais. Et donc ça me paraît un fait nouveau. Deuxième fait nouveau, je crois que l'image d'Israël a été considérablement atteinte, déjà par les massacres de Sabra et Shatila, par l'écrasement des deux intifadas, mais là, on est à un point de rupture. Je vais vous donner juste trois chiffres pour que vous vous rendiez compte. En France, qui est un pays qui était très pro-israélien avant que le général de Gaulle y mette un peu d'ordre, eh bien, nous avons 57% des Français qui ont une mauvaise image d'Israël. C'est ce qu'ils disent. 69% qui disent qu'ils ont une mauvaise image du sionisme. Et 71% disent qu'Israël est responsable de l'impasse dans laquelle se trouve le conflit. Vous voyez, on n'est plus autant de l'empathie et de l'enthousiasme pour l'Israël des kibbutz et l'Israël socialiste. On est aujourd'hui dans un jugement sévère et je crois que ce qui se passe en France se passe dans énormément de pays, y compris par exemple, et je termine là-dessus, parmi les juifs américains. Oui. C'est tout à fait nouveau, une partie non négligeable des juifs américains condamne la politique de Netanyahou comme il condamnait celle de Trump. Il y a là des signes d'espoir pour la suite. Il y a aussi, c'est un avis aussi partagé par ce Palestinien, Hossein Fayyad, un grand militant, un Palestinien membre du commando qui a réalisé l'opération de Dalal el-Maghribi. Il avait été condamné à mort, puis à perpétuité, puis a été relâché dans le cadre des échanges des prisonniers. Il nous donne son point de vue aujourd'hui sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore actuellement en Palestine. Il a été interviewé par notre rédactrice en chef, Nawal Abed. Il semble que ce dernier soulèvement palestinien diffère de ses précédents en raison de plusieurs facteurs. Le plus important est que le Palestinien s'est rendu à l'évidence qu'il doit lui-même prendre son destin en main. D'un autre côté, cette intifada est caractérisée par le fait que la révolte populaire soit de l'intérieur de Gaza à travers la lutte armée. Elle est aussi en Cisjordanie, mais également à l'intérieur des terres de 48.
Notre population dans ces territoires occupés sont arrivés à la conviction qu'ils doivent être au premier rang de la lutte, au même titre que leurs frères. Cela sans compter la révolte des Palestiniens à travers le monde. Il y a aussi le fait que nos organisations armées de la résistance aient atteint un niveau assez développé à travers la fabrication des missiles. Ils arrivent à se défendre pour atteindre le stade de l'attaque et la contre-attaque. إلى مستويات عسكرية متقدمة من خلال تصنيعهم للصواريخ من خلال تصنيعهم ل أو خلينا نقول تحصين نفسهم عسكريا بشكل يلائم أو يستطيع أن يصل بمرحلة المرحلة العسكرية إلى ما نسميه الردع والردع المقابل الآن أصبح القوى الفلسطينية أو التنظيمات المسلحة الفلسطينية لديها من الوسائل العسكرية التي تستطيع أن تؤلم العدو. Aujourd'hui, cette résistance dispose des moyens pour faire mal à l'ennemi. Auparavant, l'entité sioniste déplaçait les batailles à l'extérieur. Aujourd'hui, ces batailles se passent à l'intérieur. Elle est au cœur des terres de 1948. Lorsque notre population s'est révoltée à Sheikh Jarrah, le militant palestinien Reza, avec son fusil, a hissé le drapeau de la solidarité. Il s'est exprimé en disant « Ce sont là des lignes rouges ». للإسرائيليين وعبر عن نفسه من خلال إنه هذه هي خطوط حمر نقول للإسرائيل ارحل ارحل هذه بلاد وهذه أرضنا C'est notre pays, celui de nos ancêtres. Al-Quds est à nous. Et nous disons à l'adresse de la communauté internationale, stop, stop à votre politique de deux poids, deux mesures. Cette politique illogique. Quelques pays arabes qui sont arrivés à la bassesse et à l'effronterie et à la honte de normaliser avec l'entité sioniste aux dépens de notre combat et aux dépens d'Al-Quds. Nous disons avec nos actions, nous en tant que Palestiniens, nous espérons vous faire changer de camp. On souhaite qu'ils se ravisent et qu'ils s'alignent avec le rang palestinien. Mais s'ils ne le veulent pas et qu'ils préfèrent que l'histoire retienne cette position honteuse, qu'ils le fassent. Nous, en tant que Palestiniens, nous avons besoin d'avoir un programme national à travers lequel nous poursuivrons notre lutte. Et moi, j'appelle notre peuple et nos frères, ces frères qui étaient divisés à s'unir. Ils doivent trouver un même langage. On ne doit plus regarder les facteurs qui étaient auparavant des éléments de division. En tant que militant palestinien, je sais que ces facteurs sont externes. Les ingérences extérieures ont malheureusement influé sur la maison Palestine et ont créé Fatah Hamas, le djihad islamique et tout le reste. أثرت على البيت الفلسطيني وخلقت من البيت الفلسطيني فتح حماس وجهاد إسلامي وما شابه منظمة التحرير الفلسطيني البيت المعنوي. L'organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, est notre maison morale. Elle est le dôme sous lequel doivent se rassembler tous les Palestiniens avec leurs fusils et non pas Oslo. Aujourd'hui, en tant qu'enfant du Fatah, je dis, Oslo doit être jeté derrière nous. Ça doit être considéré du passé. Nous devons commencer une nouvelle page en disant au monde, ça suffit, 25 ans de négociations vaines. Voilà, donc c'était Hossein Fayad interviewé par Nawal Abada, notre rédactrice en chef, un Palestinien qui vit aujourd'hui en Algérie, un fervent militant pour la cause palestinienne. Alors on en a parlé hein, pendant le débat, on parlait du Hamas qui revient aujourd'hui, qui apparaît comme leader hein, de la cause palestinienne. Il y a aussi ce vide de leadership sur lequel a peut-être joué le Hamas puisqu'il revient un peu en force sur le plan militaire et sur le plan politique. D'abord, il faut revoir
les événements dans leur contexte. Il y a un mois à peu près, les colons sionistes ont commencé à vouloir s'emparer de l'Aqsa. Ils étaient encadrés par l'armée israélienne, qui les protégeait, qui les accompagnait. Et on a vu de jour en jour comment les choses ont commencé à s'aggraver avec la résistance de la jeunesse palestinienne présente pour défendre les lieux saints, puisque la police n'a pas hésité à jeter des grenades à l'intérieur même de la mosquée principale, à gazer, à arroser les manifestants de grenades et de gaz lacrymogène, et même de canons à eau putride. Putride. Vous savez ce que ça veut dire, putride? Il faut vraiment être israélien pour arriver à ce stade-là. C'est de là qu'est parti le conflit. Cette situation a profité au Hamas. Le Hamas a saisi l'occasion, n'est intervenu qu'après, pour intervenir et se présenter comme l'unique rempart de la population palestinienne martyrisée à Al-Quds et menacée à Gaza. Les Israéliens n'attendaient que ça eux aussi. Parce que le conflit s'est l'occasion déplacé était trop d'Al-Quds à Gaza, finalement. Les Israéliens, leur leitmotiv, leur raison d'être, leur objectif a toujours été, il suffit de se référer aux textes fondamentaux de l'AIPAC, leur organisation aux 100 000 membres, aux 100 millions de dollars, etc., etc. C'est l'expansionnisme, 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 traduit en clair, c'est-à-dire la judaïsation de toute la Palestine, toute la Palestine. C'est ça leur objectif. Donc pour eux, c'est du pain béni, si j'ose dire, que de revenir devant d'ouvrir de la scène, une nouvelle guerre avec le Hamas, etc., sous les applaudissements d'une presse internationale qui est aux ordres. On va en parler aussi, communication, les banques, tout ça. On sait très bien qui régente, qui contrôle, etc. Voilà où on en est. Le prétexte des roquettes, des 3000 et quelques roquettes dont parlent abondamment les médias occidentaux. On veut les mettre sur le même piédestal puissance sont présentées dans la région, comme une menace militaire nécessaire et suffisante pour donner le droit à Israël de riposter de la manière que bon lui semble, et Netanyahou s'en donne à cœur joie. Il ne pouvait pas rêver meilleure situation. Aujourd'hui, il est chef de guerre. Hier, il était menacé d'être arrêté comme corrompu et comme un dirigeant indigne. Il rebondit. Il est prêt à mettre le feu aux poudres. L'essentiel, c'est de rester au pouvoir. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Vidal, pour revenir sur la politique menée par Netanyahou, il n'a pas hésité à s'allier avec des partis extrémistes, on l'a dit depuis tout à l'heure. Vous aviez parlé d'ailleurs dans une de vos interviews de pyromane d'extrême droite en faisant allusion à Netanyahou. Absolument. On peut dire que Netanyahou a essayé par tous les moyens de sauver son pouvoir et sa politique. D'abord, aux élections, il en a perdu 4. Ensuite, il a manœuvré, je passe le détail, essayé de se faire élire président plutôt que Premier ministre, essayé de faire élire le Premier ministre au suffrage universel. Et puis, il a voulu faire une coalition où il y aurait à la fois le parti islamiste traître de Raham, qui a été acheté par Netanyahou, et les fascistes, les kahanistes, les descendants du rabbin Kahane. Donc ça n'a pas marché non plus. C'est pour cela qu'il a déclenché ses ratonnades, ses opérations à Sharjah, l'opération d'Al-Aqsa, pour devenir à nouveau le sauveur indispensable. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Majed Nehmé, qui était très juste. Oui. Rappelez-vous, au mois d'août, quand Trump et Netanyahou signaient ces fameux accords d'Abraham. Et on nous disait, c'est fini, la Palestine, on n'en parlera plus, c'est réglé, il n'y a pas besoin d'État, de négociations. Regardez, en quelques mois, comment la situation se renverse. Les dirigeants arabes qui ont signé avec Israël ne savent plus comment se justifier. Oui. Parce que ce que vous savez très bien, vous les Algériens, qui n'avez pas cette mentalité de servilité à l'égard d'Israël,
c'est que l'immense masse des Arabes à travers toute la région est hostile à toute normalisation si les Palestiniens ne voient pas reconnaître leurs droits. Je vous donne l'exemple, et je termine là-dessus, d'une enquête, ce n'est pas un sondage, c'est une enquête faite par le CAREP du Qatar auprès de 27 000 personnes dans 13 pays arabes. Donc un grand sondage. Eh bien, au total, il n'y a que 6% des Arabes qui disent « nous sommes d'accord avec la normalisation à ces conditions-là oui. ». Eh bien, tous ces dirigeants se retrouvent dans la situation de Mohamed Ben Salman, qui a déclaré, et c'est une belle conclusion sur ce point, on lui demandait « mais pourquoi vous ne signez pas, vous ?» Et il a dit « si je signe, mon peuple me tue. » Voilà, c'est l'opinion publique qui prime, on le sait, on ne peut pas rester longtemps dans des positions non tranchées sur la question palestinienne. Je voudrais donner la parole à M. Majid Dahname. Je vous reposerai la question à vous, M. Vidal. On entendait dire tout à l'heure M. Hossein Fayad dire « Oslo est derrière nous ». Est-ce que finalement, il faut sortir de ces accords qui n'ont pas abouti, qui avaient donné à l'époque 5 ans pour créer un État palestinien, finalement ? Je pense que le processus de Oslo est mort depuis Benjamin. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un occupant, en l'occurrence Israël, qui ne paye pas le coût de son occupation. Ce sont les autres, ce qu'on appelle la communauté internationale et les pays arabes du Golfe qui payent l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza. Ça, c'est unique dans l'histoire. Parce que, d'abord, Israël n'a pas respecté sa signature d'Oslo. D'abord, Oslo en lui-même, c'était assez vaseux. Il n'y avait pas un calendrier bien précis qui signale les devoirs et les obligations de chacun. Donc, finalement, Israël a vidé Oslo de sa substance. Il ne faisait pas mention de colonisation, oui. Oui, bien sûr, parce que la colonisation, il n'y a plus d'État palestinien possible physiquement. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 3 scénarios. Soit le statu quo, il est intenable maintenant. On voit la guerre civile partout, la guerre partout. Bientôt, la Cisjordanie va se joindre à cette contestation, parce que n'oublions pas que la police palestinienne, c'est elle qui empêche 50% des actes de résistance en Israël, et empêche toute intifada. Maintenant, l'autorité palestinienne ne pourra plus le faire, ça c'est sûr. Donc il y avait soit le statu quo, qui est intenable, soit les deux États, et maintenant c'est physiquement impossible avec la colonisation, soit un seul État, où juifs et arabes et musulmans cohabitent. Et là, c'est la règle de la démocratie. Et dans ce cas-là, et ça, c'est aussi le cauchemar du mouvement sioniste. Ils ne veulent pas de ça. Donc, on est dans l'impasse. Et je ne vois pas comment s'en sortir sans désioniser Israël. Les Algériens étaient contre. Pardon ? Je rappelle que l'Algérie, à cette époque-là, était contre ce qui avait été décidé. Tout à fait. Voilà. Il y avait beaucoup de forces qui étaient contre, mais ils ont cru quand même, Israël a eu quand même un accord extraordinaire. Oui. 20% du territoire historique de la Palestine revenait aux Palestiniens contre 80% de la Palestine historique. Et malgré cela, ils n'ont pas accepté cet accord du siècle ce que prévoyait Oslo. Merci, alors, c'est malheureusement pour toutes les parties, mais je crois quand même que maintenant c'est trop tard. Je pense que l'aile extrémiste en Israël va payer très très cher son entêtement, son racisme, son fascisme et son refus de toute paix. Merci. Aujourd'hui, on le voit, création de deux États, ça devient compliqué vu la proportion de colonisation d'Israël. Créer un seul État avec les deux peuples qui doivent coexister ensemble. Aujourd'hui, l'accord d'Oslo est caduc. On doit en sortir. Quelle perspective reste-t-il ? Je pense que l'accord d'Oslo, c'est le premier clou dans le cercueil de la création de deux États.
les accords d'Oslo ont été refusés par l'Algérie parce que c'était le début de la liquidation de ce qu'on appelle la question palestinienne. Maintenant, quand on parle, j'ai entendu parmi l'un des intervenants dire qu'à croire qu'Israël veut encourager Hamas. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que pour liquider définitivement la question palestinienne, on veut transformer les guerres successives, les intifadas successives, les tentatives de résistance comme un conflit entre un État, une entité qui est reconnue par la communauté internationale et un groupe politico-militaire qui occupe une partie... On veut le réduire, le conflit palestinien. Ça. Absolument. C'est, on commence par, d'abord par les mots, par les terminologies, qu'on commence à liquider les questions, des questions fondamentales, essentielles. Et c'est pour cela que le pouvoir des mots doit être respecté. Nous assistons aujourd'hui à cette tentative. Cette tentative a commencé bien avant. Mais il se trouve que les faits sont têtus, que les faits sont là, que les colons ont tenté de déloger des familles palestiniennes à Sheikh Jarrah, que depuis un mois, les extrémistes israéliens ultra-orthodoxes et l'extrême droite ont tenté d'agresser et ont agressé la mosquée Al-Aqsa et l'esplanade sous la protection de la police et de Tsahal. Là, les faits sont têtus. Cette intifada, et c'est une intifada qui est en devenir, cette intifada ne peut pas être réduite, y compris avec la complicité des médias internationaux, des médias occidentaux, y compris les médias alternatifs. Moi, j'ai eu à voir des amis qui sont sur Facebook, qui sont sur les autres, sur la toile, se voir interdire de publier ou de commenter parce qu'ils ont soutenu la cause palestinienne. Mais on a vu juste la manifestation interdite à Paris. À Paris, pas interdite, madame. C'est la répression. C'est la répression réprimée. On parle tout de suite d'antisémitisme, mais on ne parle pas de racisme, d'anti-arabe, d'anti-musulman. On parle toujours, on brandit cette carte. En 59 sorties des Gilets jaunes, jamais, à aucun moment, les camions à eau n'ont été utilisés contre les Gilets jaunes. Ils ont été utilisés à profusion. Les bombes sonores ont été utilisées contre les manifestants. Je pense que c'est bon d'ouvrir une parenthèse sur ces pays démocratiques qui défendent les droits de l'homme. Pas seulement qui tolèrent, mais qui encouragent les manifestations contre les régimes en place. Et cela, pas pour dédouaner ces régimes, non. Je le dis pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas pour dédouaner ces régimes, mais seulement regarder la facilité qu'ont eu ceux qui ont organisé dans ces démocraties des manifestations dans le cadre des révolutions de couleur ou dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, et regarder comment ces mêmes démocraties ont réagi dès lors qu'il s'agissait de soutenir le peuple palestinien, un peuple dont les femmes sont violées, dont les femmes sont assassinées, dont les enfants sont assassinés, un peuple dont une femme déclare à la presse « J'ai demandé à mon mari de ramener nos enfants pour qu'ils dorment avec nous dans la même chambre. Si on doit mourir, on doit mourir tous. » Et cela a été dit et répété par une élue américaine au Congrès. Comme ça, « Meibqach wahdourana yahzan. » Voici l'entité sioniste. Alors, ce n'est pas un problème entre Hamas et l'entité sioniste, même s'il tente de le faire. C'est une tentative de liquidation d'une question fondamentale de décolonisation, de violation des droits de l'homme, de fascisme, d'apartheid, qui s'appelle la question palestinienne. Alors, les promesses de multilatéralisme et de défense des droits de l'homme semblent souffrir d'exceptions substantielles dès qu'il s'agit d'Israël. On sait qu'on vient d'apprendre que le Conseil de sécurité doit encore une nouvelle fois se réunir demain à huis clos. On sait qu'à chaque fois, aucune résolution n'arrive à être adoptée. Il y a toujours un veto américain. L'Algérie a toujours eu une position... Les Américains, cette fois-ci, n'ont pas sorti leur veto pour une raison simple. L'actuel président, Joe Biden, fait
tout son possible pour essayer de ne pas s'impliquer outre mesure dans... Il veut sauver son accord iranien. Parce qu'il a d'autres chats à fouetter, et notamment l'accord iranien qui est devenu pour lui une question vitale afin de préparer le bras de fer avec la Chine. Mais c'est une autre question. Si on se souvient de son voyage en 2016, fin 2016, pas fin, mais disons septembre-octobre, si je me souviens bien, Joe Biden était arrivé en Israël pour essayer de relancer ce qu'on appelait le processus de négociation, etc. Et il a reçu une gifle de la part de Netanyahou, qui, le jour même de son arrivée, a enclenché d'implantation de colonies juives dans les territoires palestiniens. C'était sa réponse. Quelque temps auparavant, Netanyahou avait infligé une autre gifle au président Obama en se rendant à Washington pour prononcer un discours devant le Congrès, avec l'aide de l'AIPAC qui contrôle le Congrès, pratiquement 80% du Congrès américain. Et Netanyahou voulait infliger une leçon à Obama, qui avait donné ordre de ne pas brandir le veto face à une résolution de l'ONU, résolution qui a été adoptée, condamnant les implantations de colonies. Et Netanyahou n'avait même pas daigné, ni appelé, et encore moins rencontré Obama à cette occasion. Mais il s'est contenté de lui montrer qu'il était maître du Congrès américain. Oui. Ce qui était le cas aussi avec Trump. Hein. C'est des choses... Bah avec Trump... Il leur a donné plus... c'est plus que... Puisqu'il leur a donné peut-être plus qu'il ne demandait. Hein. Juste à se demander, très court. Hein. À se demander, on parle de lien de vassalité. Mmh. Vous ne m'avez pas laissé finir. Je pense qu'il faut se poser la question... Oui. Qui est vassal de qui? Oui, voilà, on se posait la question hein, à l'époque, en tout cas, de Trump. Tous les présidents démocrates ont eu le même genre d'expérience amère avec Netanyahou et avec les dirigeants israéliens. Et ils en ont tiré la leçon. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Joe Biden ne va pas jusqu'à brandir le veto, mais fait tout son possible pour essayer d'élaguer les résolutions présentées par la Tunisie et la Norvège il y a 48 heures. Et essayer de ne pas fâcher son ami Benjamin Netanyahou. Jusqu'à quand tiendra-t-il, hein, Monsieur Vidal? Je vous pose la question. Non, je ne dirais pas que Biden et Netanyahou sont amis. Hein. C'est ce qu'il dit. Il y a un contentieux extrêmement lourd entre eux. Et c'est vrai qu'un des problèmes de Netanyahou, c'est qu'il est orphelin de Trump. Et c'est une des dimensions de sa crise. Je voulais répondre à la question que vous posiez, chère consoeur, parce qu'elle est très importante. Moi, ça fait des années que je sens grandir dans la jeunesse palestinienne, quand on la rencontre, en dehors des cadres partisans, la volonté d'en finir avec Oslo, d'oublier la solution des deux États qui a été une espèce de théâtre, non pas de processus de paix, mais de processus de colonisation. Et l'idée de l'État unique, de l'État binational, est une idée qui grandit. Je pense, à mon avis, qu'elle est majoritaire, en tout cas chez les jeunes palestiniens. Quand je dis palestiniens, c'est de Cisjordanie, de Gaza, mais aussi d'Israël, les Palestiniens d'Israël. Donc il y a là quelque chose qui, évidemment, aujourd'hui ne pourrait être qu'un système d'apartheid, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, mais qui peut être autre chose. Et moi, je voudrais le dire, il y a des conditions pour tout ça. D'abord, la première de toutes, c'est que le mouvement national palestinien se réunifie, se rénove, oui, se rajeunisse, et qu'on en finisse avec la collaboration de fait de l'autorité palestinienne avec l'occupant. Il faut que tout le monde se retrouve dans un mouvement rénové. Deuxièmement, je me permets de le dire, une des conditions, c'est que les dirigeants traîtres du monde arabe,
qui ont accepté de normaliser sans rien gagner pour la Palestine reviennent sur leur décision. Troisièmement, je crois beaucoup au mouvement de solidarité à travers le monde. Ouais. Le mouvement boycott des investissements sanctions, tous les mouvements de solidarité qui sont devenus, on le voit avec l'exemple français, très influents dans l'opinion publique, tout cela peut forcer les grandes puissances à prendre leurs responsabilités. Parce qu'après tout, l'espèce de tragédie terrible que nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas bonne pour Biden, elle n'est pas bonne pour les États-Unis, elle n'est pas bonne pour Macron. C'est une illusion. Ouais. Ils n'arriveront pas de cette manière-là à écraser ni les Palestiniens, ni le reste d'un monde qui n'accepte plus la domination des grandes puissances. Donc il y a, je crois, une espèce de dynamique, de dialectique entre le mouvement populaire, palestinien, arabe, aussi les forces progressistes qui existent en Israël, et l'opinion mondiale pour que les grandes puissances soient, je le répète, mises au pied du mur. Alors justement, on ne peut plus aujourd'hui accepter ce qu'on a vu à Gaza depuis une semaine. Alors, c'est pas possible. Alors pour revenir sur la politique américaine, le New York Times avait observé des divisions déjà au sein même du Parti démocrate sur la question palestinienne, accentuant la pression davantage sur le locataire de la Maison Blanche. On sait aussi qu'il y a une pétition qui est en train de circuler où 200 000 Américains sont signataires déjà de cette pétition pour demander à ce qu'on intervienne. On sent aussi qu'il y a une pression sur cette hypocrisie occidentale qui veut mettre sur le même piédestal et l'antithèse sioniste et la Palestine. Aujourd'hui, on le voit à travers les médias, on disait, Monsieur Majidnami, je relevais tout à l'heure une phrase que je voyais circuler. Alors, c'était écrit, on parle plus de 200 civils tués, dont une grande majorité de Palestiniens. On était quand même à 180 Palestiniens et à une dizaine d'Israéliens. Voilà, 8 Israéliens. Donc, on veut les mettre sur le même pied d'égalité. C'est derrière ça que se cache la communauté internationale, Monsieur Majidnami. Nama. Écoutez, là, comme je vous ai dit, là, je n'aime pas ce terme « communauté internationale oui. ». Finalement, la communauté internationale, c'est les États-Unis, Israël, ou quelques pays d'Europe qui sont très prompts à donner la leçon à la planète entière. Ils professent des principes qu'ils n'appliquent pas chez eux, tout ça. Je veux conclure pour dire que je partage complètement l'analyse de mon ami Dominique Vital, mais pour que cette alternative d'État unique, démocratique, il faut abroger la loi fondamentale qui définit Israël voilà. comme État juif, ce que même Truman, en 1948, avait barré, il ne voulait pas que ce soit un État juif, parce qu'on ne peut pas être un État juif, un État démocratique. Ça, c'est de la chimère. Donc, la solution d'un État unitaire que les Israéliens avaient refusé depuis les années 70, moi je me rappelle, c'était le projet du Fatah au départ, et que les sionistes avaient complètement refusé, si c'est la solution, autrement, on va conduire les deux peuples à l'abattoir, ce qui est vraiment regrettable et tragique pour notre région. Merci. Je tiens quand même à rappeler, puisqu'on parle depuis tout à l'heure sur la normalisation des États arabes avec Israël, l'Algérie a toujours une position constante et indéfectible pour le soutien de la cause palestinienne. Aujourd'hui, je voudrais relever aussi ce qu'a dit tout à l'heure M. Vidal, c'est qu'il est important de revenir aujourd'hui à un mouvement national unifié en Palestine. Je pense qu'en politique, notamment en politique étrangère, il ne faut pas faire ce qui est contre-productif, d'abord, dangereux pour l'avenir de la cause qu'on veut défendre, mais plus encore, qui discrédite à long terme. Nous avons assisté à un élan, entre guillemets, des régimes arabes pour normaliser avec l'entité sioniste. Et j'ai rappelé au début de cette émission ce que disait l'un des leaders les plus charismatiques et historiques de l'entité sioniste, Ben Gourion: si j'étais prince ou roi ou président arabe, jamais je vais normaliser avec un État qui a pris mes terres,
qui a pris mes territoires et qui a violé ma souveraineté. Je vais vous interrompre, monsieur Hedem, pour vous dire, on vient d'apprendre que 3 missiles viennent d'être envoyés du sud Liban sur Galilée, c'est l'embrasement. C'est peut-être un début d'embrasement. Vous savez, il y a dans cette région du globe, il y a des mouvements de résistance. Ces mouvements de résistance sont d'abord les mouvements de résistance palestiniens qui ne se limitent pas au mouvement Hamas et son bras armé Al-Qassam. C'est une myriade de mouvements de résistance. Il y a aussi des mouvements de résistance au Liban parce que le Liban est tributaire de ce qui se passe, plus tributaire que la Syrie, que le reste des pays de la région, que l'Égypte, de ce qui se passe en Palestine. Et parmi ces mouvements de résistance, il ne faut pas aussi considérer que seul le Hezbollah est un mouvement de résistance dans la région. C'est vrai que c'est le plus armé, c'est le plus apte à faire face aux agressions de l'entité sioniste, mais aussi il y a d'autres mouvements. Est-ce que cela va mener à l'embrasement? Oui. Je ne le crois pas. Je pense que d'une manière ou d'une autre, un embrasement au niveau international, je ne le crois pas. On parlait possibilité de guerre civile, on le craignait tout à l'heure, on a lâché ce mot. La guerre civile à l'intérieur de l'entité sioniste est une réalité. Dès lors que vous avez des personnes qui portent le passeport, bien qu'ils soient citoyens de seconde zone, qui portent le passeport israélien et qui vivent dans ce qu'on appelle les villes mixtes. Nous avons vu ce qui s'est passé à Haïfa, il y a de cela 3 ou 4 heures, oui. Ce qui s'est passé à Haïfa. Nous risquons d'assister à une guerre civile à l'intérieur des territoires sous contrôle, mais d'une manière générale. Je voudrais qu'on ramène toujours notre débat a une question fondamentale, la question palestinienne. Oui. La question palestinienne ne doit pas être éludée, ne doit pas être ramenée à un problème entre l'entité sioniste et un mouvement populaire, qui est le mouvement Hamas. Très rapidement, M. Vidal, s'il vous plaît, vous parliez tout à l'heure de possibilité qu'il y ait guerre civile entre les Juifs et les Palestiniens, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut craindre un conflit à une plus grande échelle régionale? D'abord, d'un mot, je n'ai pas parlé de guerre civile, mais de prémices, oui. De signes. On n'est pas pour l'instant. On parlait d'opérations au sol également. Les Israéliens parlaient de mener des opérations au sol, qui n'a pas été faite d'ailleurs. Il y a des groupes fascisants qui mènent des opérations punitives dans les villes mixtes, et il y a des jeunes arabes, des jeunes palestiniens qui se défendent. Pour l'instant, on n'est pas à la guerre civile. Mais c'est la première fois que ça se produit, même à ce stade-là, depuis 1948. Quant au reste, je serai moins prudent que votre collègue. On ne sait pas ce qui peut se passer quand un conflit prend une telle dimension. Oui. Pour l'instant, ce que vous avez dit, les missiles qui sont tombés depuis le sud du Liban, il semble, d'après mes informations, que ce soit des missiles de groupes palestiniens. Je ne crois pas que le Hezbollah ait pris la décision de se jeter dans la bataille, parce qu'alors, ce serait une guerre généralisée. Oui. Le Hezbollah a des dizaines de milliers de missiles qui peuvent toucher jusqu'à Eilat. Il y a donc risque d'embrasement, quand même. Tout le territoire. Je ne crois pas que les amis du Hezbollah, que sont les dirigeants iraniens, souhaitent aujourd'hui définitivement saboter un accord possible avec les États-Unis. Donc, pour ces raisons-là, je crois que le Hezbollah va, comme toujours d'ailleurs, être un mouvement extrêmement fort en sang-froid. On va essayer de conclure, s'il vous plaît, Monsieur Vidal. Il nous reste 3 ou 4 minutes là pour conclure rapidement. Alors, en un mot, c'est trop. La dimension qu'a pris l'opération de Netanyahou est peut-être hors de contrôle. Oui. Et c'est ça qui m'a échappé des mains. Monsieur Majid Naima, s'il vous plaît, en une phrase, s'il vous plaît, très court, pour faire encore le tour de table ici sur le plateau. Vous parliez de cette possibilité de la création d'un seul État. Vous pensez qu'on peut y arriver? Quelles sont les possibilités pour arriver à créer un seul État? Écoutez, pour qu'il y ait un seul État unitaire, démocratique, je dis bien démocratique, c'est-à-dire égalité de droit entre tous les citoyens, il faut d'abord désioniser l'État d'Israël, c'est-à-dire c'est vraiment adopter une
idéologie d'intégration, de coopération, de devenir des citoyens comme d'autres, avec tout leur particularisme des uns et des autres. Mais je ne pense pas à l'état actuel que c'est possible, mais il n'y a pas d'autre possibilité que cette alternative, ouais. C'est-à-dire que les Palestiniens, qui sont déjà majoritaires, ce que Vida Dominique vient de le signaler, ils sont déjà majoritaires en Palestine historique. C'est la majorité de la population, elle est arabe et palestinienne. Donc, je ne pense pas que soit on va vers la confrontation à l'infini, et là tout le monde est perdant, et surtout les Juifs avant les autres. Parce que là, on est maintenant à un tournant vraiment fondamental. Israël, maintenant, c'est au bord du précipice. Elle joue le sorcier. Et s'il n'y a pas une prise de conscience au sein même de la société israélienne, je crains que ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Algérie à l'indépendance avec l'OAS. Comment il s'était adonné à des exactions, à des crimes, et finalement, c'était eux qui étaient les grands perdants. Merci, Monsieur Majid Naama. Finalement, la solution viendra des peuples. Hein. C'est un peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Alors, pour revenir, finalement, c'est pour conclure hein, plutôt sur cette émission, est-ce qu'on peut dire que la Palestine revient un peu au devant de la scène après tout ce qui s'est passé et après avoir été reléguée au second plan? Je pense que. Grâce à sa jeunesse. Hein. Pour la communauté internationale, oui. Pour ceux qui ont toujours soutenu la cause palestinienne, non. Pour nous, c'est une cause juste. Je voudrais terminer sur deux remarques. En répondant à votre question sur les risques d'embrasement, j'ai oui. dit qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas de risque d'embrasement parce que les États limitrophes ne sont pas intervenus, parce que les armées des États limitrophes ne sont pas intervenues. Et une dernière remarque, je ne crois pas en un État unitaire, je ne le crois pas pour des raisons objectives. Cela conduira à la destruction des fondements même de l'entité sioniste. S'il venait à devenir démocratique, à ne pas être un État théocratique, pour un État hébreu, Monsieur Naama l'avait rappelé, Delano Roosevelt avait biffé de son stylo l'expression État hébreu, et nous nous rappelons à ce moment-là, parmi les opposants, un grand savant d'origine juive s'est opposé, pas un seul, plusieurs, s'est opposé. Merci, à hein. Merci Monsieur Chaben. 10 secondes, hein, c'est tout ce qui nous reste pour rendre l'antenne. Moi, c'est juste pour rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, dans un pays européen, on a voté une loi sur l'antisémitisme et pour qualifier l'antisionisme d'antisémitisme. Oui. La loi n'avait pas été votée. Hein. Si. Il faudra vérifier si elle avait été votée. La en loi, tout cas, elle avait été proposée c'est comme en la France. Loi, c'est hein, comme y avait la loi 11 aux États-Unis. Oui. La loi 11 aux États-Unis, maintenant, elle confond antisémitisme avec sionisme et elle est violée quotidiennement par les journalistes et par oui. des agitateurs. On arrive à la fin de l'émission. On a même dépassé le temps qui nous a été imparti. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Pardon, Monsieur Vidal ? Cette loi n'a jamais été votée. Voilà, elle n'a pas été votée. Merci. Macron, hein. Merci, on doit rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.